versus Capcom 3. Je vais essayer de ne pas arracher le micro. Alors ils se sont déjà affrontés une fois tout à l'heure. Il y avait une victoire sans appel de White Black 3-0. Ça risque d'être un peu dur, je pense, pour Eita, mais sait-on jamais. Sait-on jamais, hein. Gwen avait perdu 3-0 contre Eita et là il a perdu que 3-2, donc on ne sait jamais. Et c'est parti tout de suite. Alors pour l'instant, ah, il a trouvé l'ouverture de garde, ça y est, le mail avec le Rising Sun. Petit cancel, Breaker, pardon, je vais y arriver. HSH, le Judgment Cut, Rentrip Judgment Cut, le Lunar Phase. Rentrip à nouveau Judgment Cut, bah H, bah, il est parti en spirale sans doute, donc bah, c'est la détente, hein, j'ai envie de dire. Lunar Phase deux fois. Et pour l'instant, le Nova, eh bien, il n'est pas plus trop faire grand chose. Airshop direct comme ça pendant qu'il se déplaçait, et eh bien Five Black c'est juste pour filer derrière. Match pour l'instant complètement à sens unique. Alors avec le Rotag, Artag, pardon, le Snap Back, je vais y arriver. C'est la fin de journée de Dimension Slash dans ce truc. Rapid Slash, allez 3-4, on y va. HSH, le Hell Breaker, et voilà le Virgil de Maël, de White Black, pardon, qui est armé. Taskmaster qui se fait ouvrir en cross-up, et bah oui, tout simplement Eita lui aussi, il a un Spiral Sword, et voilà, on est parti sur un petit combo Doom, tac, MM, hey, RH, ah il a raté sa récupération RM et tout de suite punition directe avec la Phantom Dance en DHD des généraux. Et du coup voilà, Wesker qui va pouvoir mettre peut-être un peu de pression sur Doom, Photon Array pour le détente, et il revient avec le Spiral Sword pour essayer eh bien de mixer le Wesker. Bonne garde pour l'instant de White Black qui est complètement à l'aise sur face au Spiral Sword. Le road trip, la TP, c'était mindé mais il se fait avoir par le Rotag. Ça c'était assez inattendu. Et du coup voilà, ça y est, le Taskmaster s'est fait sécher pour l'instant et ça a pris l'avantage sur ce match. Photon Shock, ça joue le Samurai Edge. Pour l'instant, White Black temporise un peu le match, il n'y a plus d'extracteur des deux côtés. Ça joue à la patience. Photon Shock, pour l'instant il joue la sécurité, Eita, hein. Il a vu la violence de White Black, donc il joue complètement la sécurité. Tout à l'heure il s'est fait complètement remonter sa team avec juste un Wesker. Donc il fait attention, il est à 0 HP ce double, du coup il va faire vraisemblablement un DHC, voilà, pour faire rentrer Virgil et pouvoir récupérer un peu de vie avec son Doom. Et pour l'instant, bonne protection de White Black qui a complètement l'habitude et qui punit sur ce whiff de Helmet Breaker. Il est complètement là. H, Ghost Butterfly, Dash S, MMH, S, et puis sa TP, Phantom Move, Phantom Dance, après le Samurai Edge. Et voilà, regardez comment il a remonté avec son Wesker. Et voilà, Balai Baem. Et du coup, un mix-up d'entrée sur Doom. Non, il va juste faire un petit Samurai Edge. Il va essayer de le gratter tranquillement. Phantom Dance. Bonne protection pour l'instant, ça ne fait pas énormément de chip damage. Et voilà, c'est ça mon voyage. Et bah, il a perdu sur une erreur de son Virgil, il a utilisé le Sobash. C'est ça. Alors qu'il ne fait pas du tout cross-up ce coup-là. Et ça a whiff et il s'est fait punir derrière dans les covers. C'est X-Factor direct de Nova, ça en veut pas, Bash, Stinger, Bash, S, M, R1, pardon, le Breaker, le Lunar Phase, High Time, Dimension Slash. Bon là je pense que voilà il est cuit, ça direct, il ne prend aucun risque. Et du coup Missat est arrivé pour l'instant, qui ne trouvera pas preneur, mais c'est pas grave, parce qu'il a réussi à le rejeter avec le retour du round trip je pense. Ça va tellement vite, mais il se fait ouvrir là malheureusement sur ce tree jump. M avant H, M avant H, S. Tree jump à nouveau, M avant H, M avant H, S. Doom time, voilà. Donc le White Black là, son Virgil vraisemblablement va pas être en forme, il est cuit même carrément. Ça fait complètement les dégâts, ça spam les S, je ne sais pas ce qu'il tente. Oh là là, il lui rend la monnaie de sa pièce dès qu'il trouve l'ouverture de garde sur Taskmaster. Il le X-Factorise direct, H, S, M avant H, S. Et ça tue, il fait exactement la même, aucune pitié par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure en winner final. Et il trouve l'ouverture de garde, il a complètement bien mixé son adversaire. Et il lui reste encore un fond de X-Factor pour faire un maximum de dégâts. Et il a en plus ses 4 barres, donc il n'a même pas besoin de sortir le Doom Time. Eita qui nous fait un match magnifique, un partout, balle au centre. Doom c'est quand même un grand monsieur hein, dans ce jeu. Dans ce jeu, Doom est vraiment très très puissant. Oh, happy birthday! Et du coup, c'est X-Factor, voilà, X-Factor, le High Time, RS, Bash, Stinger, Bash, S, RH, High Time, Helmet Breaker, High Time, pardon, Dimension Slash pour en terminer. Dieu dit DH, même pas besoin de DH, voilà, il reste déjà plus que Virgil. Mais attention, parce que Virgil en X-Factor, ça peut faire mal. Eh ben, y a pas besoin. Il va réussir à le finir directement comme ça, S.
Oh, il fait la level 3. Dark Angel level 4. Il fait la passe. JP Koff. Oh là là là, ce match à sens unique de la violence. Énervé. White Black montre qu'il a pas aimé se faire prendre un match. Presque perfect et terminé sur Dark Angel. Là franchement, magnifique. Allez, ça est ami, crack six factor, direct RS avec un H, S, bah H. Le Breaker, le rentry bash, Judgment Cut, Spiral Sword, Binar Phase. Et voilà, plus de Nova, ça c'est fait. Un fond six factor peut-être pour le mix-up arrivé, non. Oh mais c'est pas grave, il a confirmé complètement sur ce RH. Voilà, hop, malheureusement le bash là n'est pas passé. C'est pas grave, on va pour le remixer tranquillement. Photon Shock, Molecular Shield, un coup qu'on va quasiment jamais aux États-Unis, tellement pourtant il y a beaucoup de Doom. C'est assez marrant, hors combo éventuellement. Et voilà, il a confirmé LR Shop, Rising Sun, Trip Cancel, High Jump Cancel. Et bah S, H, Judgment Cut, Spiral Sword. Le Lunar Phase, il est complètement parti à le Spiral Sword 12. Hey, Spiral Sword à nouveau, Rising, Lunar Phase, pardon. Alors, un trip, Lunar Phase, bah voilà. C'est comme ça. Pour l'instant, le Virgin crash X Factor. Oh oui, c'est bien joué ça. Il a craqué son Devil Trigger. Il est full sans droit, le Virgin. Et du coup, il efface celui de White Black. Attention, round trip, pas de mix-up trop d'arrivée. Il a chopé du coup Spiral Sword. Il va le confirmer, ça avec X Factor, ça fait assez mal. Hello Wesker, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va se faire mixer? Il se prend une ouverture de garde, il est mort, il s'est pris le Rising Sun. Spiral Sword, des dégâts à la barre de vie, ça gratte. Magnifique Eita de partout. Eita qui a aussi un Virgil. C'est ça. Il joue dans la plus pure tradition des Virgil en encore, en troisième position. Et si jamais il l'emporte, eh bien c'est reset et on est reparti pour 3 matchs gagnants. Mais pour l'instant il a l'air pas trop mal le White Black, Lunar Phase, High Time, Dimension Slash. Et ça tue, voilà, bon plus de Nova, mais attention quand même parce que Doom et Virgil avec un X-Factor, ça picote, c'est pas grave, il le trouve directement avec une petite OS Helmet Breaker, Shop je pense. Le Spiral Sword, Lunar Phase, le Cross Dunk qui passe pas, c'est sorti du combo, d'habitude ça passe très bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave, Photon Array, le Spiral Sword, et ben voilà, c'est un miroir de Virgin Spiral Sword, c'est magnifique. Ce Krakalo, le RS qui trouve preneur, et du coup, Timariel combo sur Taskmaster qui nous fait un petit RH délayé, arrière RH, S, les Aim Master chargés, Legend Euro, et Spiral Sword, il va pouvoir Spiral Sword, non, c'est reset, et du coup, pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est l'assist, je pense, Virgil qui avait tenté de punir, vu la barre de vie qu'il a perdu. Ouais, trouvé RH, Aim Breaker, un petit H. Grand trip, il passe de l'autre côté mais ça protège bien, Spiral Sword. Le RS qui cross-up, je crois, je suis pas sûr, hein, Loon. Et voilà, White Black qui l'emporte. Après un match assez long quand même, ça va trop, perdu de vie. Eita s'incline. Après une magnifique win, grande finale, pardon. 3-2. On peut saluer la performance d'Eita. Ouais, c'était plutôt impressionnant comme match. C'était violent. Bon, je demanderais bien une interview d'Eita, mais malheureusement, vu ce qu'il parle d'anglais, ça va être un peu compliqué. Il faudra un traducteur. Arigato gozaimasu. Arigato. Really good match. Mon petit White Black, bah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu là. Qu'est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ce Stunfest et sur les joueurs que tu as rencontrés, notamment Eita, que tu n'avais jamais croisé en tournoi à ma connaissance? Moi, j'ai été surpris. J'ai fait pas mal de freeplay contre Eita. Et il m'a montré des phases que j'avais jamais vues auparavant. Il a l'exécution qui est vraiment nickel et au-dessus du lot. Et si je jouais pas ma main, j'avais du mal à être au-dessus de lui. Donc sa deuxième place est vraiment pas déméritée. Il m'a dit tout à l'heure qu'il avait un petit peu du mal sur le stream. Il avait un peu le stress, donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas su jouer à son meilleur niveau. Mais en tout cas, je pense qu'on peut encore l'applaudir parce qu'il est venu du Japon pour nous montrer comment il joue. Et thanks to Eita for coming for playing with us. Thank you. Juste un petit mot. Donc hier, tu n'avais pas joué ta main team. Et du coup, aujourd'hui, tu as changé. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi, tout simplement, pour les joueurs qui te suivent et qui s'intéressent à ce que tu fais dans ton jeu?
Principalement parce que j'arrive pas à la jouer comme si j'étais en freeplay, donc sans le stress. J'ai pas encore la confiance dans ces persos, même si je sais que les teams sont viables. Et je sais que ma team Vergil, je la joue très très bien. Que Vergil soit en premier, en deuxième, en troisième, Taskmaster, Wesker. Tous mes persos ont fait le travail aujourd'hui. J'ai gagné grâce à Task, grâce à Wesker. Donc c'est ces trois persos là qui me font gagner à l'heure actuelle. Et je voulais remporter le Sunfest, donc j'ai pas hésité. J'ai pas pris de risque, j'ai préféré jouer cette team, voilà. Ok, bah écoute, merci encore une fois pour le spectacle. Arigato gozaimasu, Eita. C'est magnifique, belle accolade entre eux, ces deux finalistes. On peut les applaudir une dernière fois, s'il vous plaît. Eita et White Black pour UMVC 3. Merci à Oro aussi qui a géré quasiment tout le tournoi pour nous. Un grand merci. Non, aucun problème. Oro qui a